Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Au sommaire de cette édition, le président de la République est arrivé il y a quelques instants au CIC, le Centre international des conférences, pour présider la clôture des journées de l'entrepreneuriat. 41e jour de cette guerre sans précédent sur Gaza, l'ONU réclame une enquête internationale. Le haut commissaire aux droits de l'homme dénonce de graves violations du droit international. Ce qui se déroule à l'hôpital Shifa en est l'illustration. L'armée d'occupation continue de le cerner. À présent, seuls 10 hôpitaux sont opérationnels dans la bande. Dans le reste de l'actualité, le salon international de la date qui se déroule à la SAFEX ou encore ce tronçon reliant Bougzoul à Djelfa, opérationnel à compter d'aujourd'hui. Et puis le sport avec l'entame des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, Algérie-Somalie, c'est à 17h au stade Nelson Mandela. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Comme je vous le disais à l'instant, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est arrivé il y a quelques instants au Centre international des conférences d'Alger pour présider les travaux de clôture des journées de l'entrepreneuriat, des journées placées donc sous le haut patronage du président, qui sont organisées par le Conseil du renouveau économique, le CREA. Elles se déroulent en marge de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat et sous le slogan « Entrepreneuriat au cœur du renouveau algérien ». Place pour l'entrepreneuriat dans le projet de loi de finances 2024. Sachez qu'il prévoit un certain nombre de facilitations, notamment un allègement des impôts pour les entreprises investissant au moins 30% de leurs bénéfices nets pour la création d'une start-up. Sophia Boukercha. Des facilitations sont prévues pour les start-up dans la loi de finances 2024, notamment le code des marchés publics. Rabeh Fraga, chef département management à l'Agence nationale de la valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique. Une entreprise qui finance la recherche et les activités des start-up bénéficie d'un avantage sur les impôts. Il y a aussi le code des marchés publics qui permet de passer des commandes de gré à gré. Avant le code des marchés publics, il ne fait pas une distinction. Donc les procédures sont claires. Généralement, c'est des cahiers des charges et des appels d'offres. Donc pour encourager et pour soutenir les startups, le code des marchés publics il a allégé ses procédures, un mode de passation du gré à gré. Les avantages accordés aux startups par rapport à l'IBS ou bien par rapport aux impôts des entreprises. Donc au lieu de l'entreprise elle verse sur l'assiette des impôts, elle va financer une startup et il sera réduit de tout le monde des impôts. C'est 30% du bénéfice net qui est plafonné à 20 milliards de centimes. Cela contribue à renforcer les startups en les positionnant pour répondre aux besoins nationaux. Jamel Ferd, responsable des finances à la startup L'Ours for Oil and Gas. Une startup, une entreprise qui va démarrer, donc elle est toute fraîche, elle a besoin d'avoir un coup de pouce de l'État, l'aspect fiscal de l'entreprise et même au droit de douane. L'exonération, elle est portée sur 4 années. Ça va permettre de dépasser la phase de démarrage. J'espère que ça va s'inscrire dans la durée. Toutes ces adaptations, ces ajustements visent à stimuler la priorité accordée au produit national qui contribue à la construction du nouveau modèle économique diversifié et dynamique souhaité. Intervenant hier lors de ces journées de l'entrepreneuriat, le président de l'association de la diaspora algérienne, Faisal Qaddour, a fait savoir qu'une nouvelle plateforme sera prochainement lancée pour mettre en relation les membres de la diaspora avec les compétences nationales. C'est l'heure de l'appel à la prière, 12h33 sur Alger Chaîne 3. On se retrouve tout de suite après. Alger Chaîne 3, la suite du journal. Signée hier par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, la loi fixant les conditions et les modalités d'octroi du foncier économique relevant du domaine privé de l'État, destiné à la réalisation de projets d'investissement, a été publiée au journal officiel numéro 73. Le texte s'applique aux terrains aménagés relevant des zones industrielles et des zones d'activité, de terrains aménagés situés à l'intérieur du périmètre des villes nouvelles, des zones d'expansion et sites touristiques, pour ne citer que cela. On reste avec l'économie. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a rencontré aujourd'hui au siège de l'ambassade d'Algérie à Londres un groupe d'opérateurs économiques et d'hommes d'affaires britanniques, membres du Conseil des affaires algéro-britanniques, et ce dans le cadre de la visite de travail qu'il effectue au Royaume-Uni. Attaf a présenté un exposé concernant les opportunités d'investissement en Algérie et les principaux axes de la politique économique en matière d'incitation et d'attraction des investissements étrangers. Le ministre a fait état d'indicateurs économiques positifs en enregistré à la lumière de l'application des réformes économiques initiées par le président de la République.
Présent hier à Alger, à l'occasion du 35e anniversaire de la proclamation de l'État de Palestine et en marge de leur participation au Forum de la mémoire, de nombreux diplomates ont souligné l'impératif de mettre fin à l'agression sioniste dans la bande de Gaza et au génocide perpétré contre les civils sans défense par les forces d'occupation, affirmant le droit du peuple palestinien à l'autodétermination et à l'établissement de son État indépendant. Au 41e jour du conflit, on compte plus de 11 300 martyrs, dont plus de la moitié sont des enfants. La situation des hôpitaux à Gaza est désastreuse. Sur les 36 initialement, seuls 10 sont à présent opérationnels. Un point de situation avec Fatin El-Harabi, journaliste palestinienne, contactée par Karima Bennour. 26 hôpitaux sont hors service maintenant à Gaza, où il y avait au total 36 hôpitaux à cause des bombardements et du manque de carburant, d'eau et de l'électricité. Ils ne peuvent plus soigner les malades. Actuellement, le seul hôpital qui fonctionne, c'est celui d'El Mahmadani. L'Organisation mondiale de la santé a perdu tout contact avec les équipes médicales, dénonçant les incursions militaires dans les hôpitaux. Les ambulances sont à l'arrêt. Elle n'arrive plus à transporter les blessés. Les hôpitaux ont besoin de 120 000 litres de carburant chaque jour. Les femmes accouchent à Gaza sans anesthésie. Elles sont au nombre de 50 000 femmes. Elles n'arrivent pas à atteindre les hôpitaux. Et il y a celles qui ont des brûlures de 3e et 4e degré à cause des bombardements continus. À Gaza, les femmes qui doivent accoucher par césarienne le font à vif et c'est très dangereux pour la santé. La situation est également désastreuse à l'hôpital Shifa, qui continue d'être cerné par l'armée d'occupation. En moins de 24 heures, une trentaine de Palestiniens sont morts des frappes aériennes aveugles, soutenant l'incursion terrestre des forces sionistes à l'intérieur de la bande. Un point de situation à présent avec Wissam Abou Zeid, journaliste palestinien et correspondant de la télévision algérienne à Gaza. Il est contacté par Karima Hasnaoui. الغارات اليوم تركزت على عدة مناطق في قطاع غزة في المناطق الشمالية. Les bombardements se sont concentrés aujourd'hui sur le nord et le sud de la bande de Gaza. Une mosquée a été bombardée hier soir, faisant un bilan de plus de 30 Palestiniens tombés en martyr alors qu'ils faisaient leur prière. Il y a eu un bombardement il y a quelques minutes ici au sud de Khan Younes et dans le quartier El Emel, à l'ouest de la ville. De nombreux Palestiniens sont tombés en martyr. Les avions sionistes continuent de bombarder et ne quittent pas l'espace aérien de Gaza. L'armée d'occupation israélienne affirme ce jeudi avoir pris le contrôle opérationnel du port de Gaza, une infrastructure clé du territoire palestinien. Le sud-Liban n'est pas épargné. L'armée d'occupation cible plusieurs positions pour tenter de dissuader la résistance palestinienne basée à la frontière. Plusieurs personnes ont été touchées, en plus d'un certain nombre de dégâts matériels. Le point avec Abou Omar, coordinateur des camps de réfugiés au Liban. Il est contacté lui aussi par Kalima Hasnaoui. قصف اللي عم بيتعرض له جنوب لبنان عبر اما ضرب مدفعي واما عبر غارات من الطيران. Le sud Liban est ciblé par ces bombardements via des tirs d'artillerie ou des raids de l'aviation sioniste. Ces bombardements ciblent les localités proches des frontières libanaises comme le Bouna, Chetoula, Marwahin et El Meis El Jabal. Les dégâts sont aussi importants dans ces bombardements aveugles de l'armée sioniste. Ils ont eu pour conséquence l'assassinat de 4 personnes qui se trouvaient à bord de leur véhicule, 3 enfants et une femme âgée. L'armée sioniste a également bombardé des maisons et des habitations. Les surfaces agricoles ne sont pas épargnées avec des incendies qui ont touché des arbres d'oliviers et ceux des agrumes ciblés par l'aviation sioniste. L'ONU demande une enquête internationale concernant la guerre contre Gaza. Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a fait état aujourd'hui d'allégations extrêmement graves de violation du droit international. Les allégations extrêmement graves de violations multiples et sérieuses du droit international humanitaire, quels que soient leurs auteurs, exigent une enquête rigoureuse et l'établissement de responsabilités, a-t-il déclaré lors d'un briefing des pays membres sur son récent voyage au Proche-Orient, ajoutant qu'une enquête internationale était nécessaire. Vous devriez vous réveiller dans cette salle.
C'est un massacre, un génocide. Et nous le voyons à la télévision, a lancé l'ambassadeur palestinien à l'ONU, appelant donc les pays à mettre fin à cette guerre contre la bande de Gaza. Les médias occidentaux sont-ils otages du lobby médiatique sioniste? C'est ce que nous avons tenté de savoir à travers cette question posée au professeur Belkacem Mostfaoui, professeur des universités en sciences de l'information et de la communication. Il répond à Kalima Hasnaoui. Le lobbying de confession juive, d'argent juif, bien entendu, y est influent. Ces capitales-là, les gouvernants, ils ont le sentiment qu'ils doivent composer avec ces communautés-là, avec ces leaders de lobbying, parce que justement, une bonne partie de leur base électorale vient d'eux, et qu'ils ont tout intérêt à maintenir, disons, comme un statu quo, un modus vivendi, quoi, pour que ça ne chamboule pas trop leur plan, leur premier d'abord, qui sont ces équipes gouvernementales, ces establishments. L'establishment a tout intérêt à tenir compte de l'influence du lobbying juif, bien évidemment. Et comme il y a toute une orchestration médiatique qui vient accréditer cela, ils foncent là-dedans. Quelques 200 personnes ont manifesté aujourd'hui sur le campus de l'Université de Lausanne pour protester contre la venue du président français Emmanuel Macron et dénoncer sa position concernant la guerre contre Gaza. Certains d'entre eux étaient munis de casseroles et de drapeaux palestiniens. Ils ont défilé en scandant notamment Macron complice et en portant des banderoles où il était écrit « Stop génocide au Free Palestine ». La cinquantaine d'agents de police sur place a fait usage de spray au poivre pour tenter de stopper les manifestants. Il est 12h bientôt 45 minutes sur Alger, chaîne 3. Dans l'actualité nationale, le tronçon routier reliant Bouxoul à Médéa, à la limite nord de la wilaya de Djelfa, a été ouvert aujourd'hui à la circulation automobile. Après achèvement des travaux d'une longueur de 7,5 km, ce tronçon constitue la dernière portion d'autoroute nord-sud qui traverse la wilaya de Blida et de Médéa sur une distance de 117 km. La date dans tous ces états, ça se passe à la SAFEX, le palais des expositions d'Alger, qui abrite en ce moment le salon international de ce fruit emblématique des oasis sahariennes. Inauguré hier, ce salon se poursuit jusqu'au 18 novembre. Maïel Kenz. Les visiteurs présents en masse étaient surpris de découvrir les diverses variétés de dattes que recèle notre pays. La plupart étaient satisfaits quant au rapport qualité-prix de ce fruit, connu pour ses nombreuses vertus nutritionnelles. Des dattes de la wilaya de Radej, ça s'appelle Bentqbala. C'est une très bonne qualité. La boîte, elle fait 400 dinars. C'est des prix abordables. Je suis très impressionnée par le nombre de variétés qui existent en Algérie. D'habitude, je mange des glitnol. Là, je découvre plusieurs. J'ai acheté dattes figuées à 450 dinars le kilo et c'est un prix vraiment raisonnable. J'ai acheté des dattes, des produits dérivés de dattes. Pour moi, c'est important. Quant aux exposants, ils sont venus de plusieurs wilayas du pays dans l'intention de faire connaître l'une des richesses végétales algériennes qu'est la datte. Omar Lhassen, président de l'association Tumour Nakhlal Mubaraka de la wilaya de Timimoun. J'ai apporté au salon des dattes à Alger presque 35 variétés. Le prix c'est 200 dinars jusqu'à 90. C'est une bonne initiative pour exposer les dattes de l'Algérie. La région de Timimoun, il y a 360 variétés. En Algérie tout, il y a 1000 variétés. Il y a l'Hmira, Achor, préserver et valoriser la datte à travers l'accroissement de sa production et son exportation à l'international en encourageant et en accompagnant les acteurs locaux dans ce segment demeure l'une des préoccupations des responsables du secteur de l'agriculture. Autre salon qui se déroule toujours à la SAFEX, celui des travaux publics. Il regroupe quelques 230 entreprises nationales et étrangères. Smaïl Mimouni. Plusieurs firmes chinoises actives dans le domaine des travaux publics en Algérie et ont même démontré leur savoir-faire dans la construction et la réalisation de grands projets du secteur du BTPH. Le groupe chinois CSCEC, leader mondial dans la réalisation des voies ferrées, des autoroutes et du secteur du bâtiment, est présent en Algérie depuis plus de 40 ans. Mirzat Adel, directeur marketing du groupe CSCEC chinois en Algérie. On est le premier entreprise chinois qui est installé en Algérie.
Algérie depuis 1982. On a participé à pas mal de projets dans le domaine de BTPH en Algérie, même on a des investissements. En termes des infrastructures, actuellement on a réalisé 3 autoroutes, une ligne chemin de fer, il y a plusieurs projets hydrauliques, on peut dire juste 80% des hôtels 5 étoiles c'était construit par CSCEC. Un autre groupe chinois, CRCC, installé en 2006 en Algérie, a participé pour sa part dans le transfert de technologie en Algérie. Anis Chikrat, son représentant. CRCC a introduit l'Algérie depuis 2007. Le premier projet, c'est l'autoroute Est-Ouest. C'est sur 340 km. Bien sûr, dans le domaine bâtiment aussi, l'ADL. Maintenant, sur les pénétrantes, ils ont la pénétrante de Béjaïa qui est à presque 70% de réalisation sur 100 km. Et la pénétrante de Razaouet, ils ont réalisé 13,5 km. 75% de la voie ferrée, c'est en Chine, c'est CRCC qui l'a réalisé. En 2024, ça va être la tendance de chemin de fer, la voie ferrée en Algérie. En plus de la réalisation de grands projet d'ouvrages d'art en Algérie, les entreprises chinoises du domaine du BTPH disposent de processus intégrés de recherche, de supervision et surtout de maintenance de projets. Smaïl Mimouni de la SAFEX d'Alger, Alger, chaîne 3. On arrive au sport, Ardouane Bendali, bonjour. Bonjour Siam. L'actualité c'est évidemment l'équipe nationale de football qui entame ce soir les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Tout à fait, les Verts qui débutent leur campagne de qualification pour ce Mondial 2026 qui aura lieu aux USA, au Canada et au Mexique. Avec comme premier adversaire la Somalie, ça sera aujourd'hui en début de soirée à 17h plus exactement au stade Nelson Mandela de Baraki pour le compte de cette première journée. Une première bien évidemment qui sera importante pour les Verts puisque c'est toujours bien de bien débuter les éliminatoires dans n'importe quelle compétition pour pouvoir donc bien entamer également la suite de ces éliminatoires puisque le prochain match également sera en déplacement, ça sera au Mozambique, à Maputo plus exactement, face à l'équipe de Mozambique. Et donc pour aujourd'hui, l'idéal serait bien évidemment que les Verts entament ce match avec de l'efficacité et pourquoi pas bien entamer la rencontre, comme le dit d'ailleurs Jamel Belmadi, qui compte beaucoup sur ses joueurs pour un scénario idéal qui serait de prendre les devants dans ce match dès les premières minutes de jeu. On l'écoute. Ça serait l'idéal de marquer assez tôt dans ce match-là. Ça voudra dire qu'on aura vraiment pris les choses par le bon bout, qu'on aura eu la bonne démarche, déjà psychologique, à savoir mettre beaucoup de pression. Ça va être l'idée, hein. J'ai pas l'habitude de dévoiler les plans de jeu, mais pour le coup là, ça paraît clair. Il va falloir imposer son rythme, mettre la pression dès le départ. Puis si on peut marquer, tant mieux, tout en étant équilibré, toujours attaquer, mettre la pression, tout en étant dans une forme de sécurité, d'équilibre d'équipe. Et si on arrive à obtenir ça tôt, eh ben, ce serait une bonne chose dans la préparation de ce second match. Mais étape par étape. Voilà, étape par étape, bien sûr, il pensera également au prochain match, puisque à travers le match d'aujourd'hui, Jamel Belmadi va certainement dessiner son 11 type, d'autant plus qu'il y a des joueurs qui évolueront pour la première fois en match officiel avec les Verts ce soir. Et on va suivre ça de près. D'ailleurs, vous pourrez suivre cette rencontre en direct sur la chaîne 3 à partir de 17h, à partir du stade Nelson Mandela. Et la rencontre sera arbitrée par des Maliens, Boubou Traoré, assisté de Modibo Samake et Baba Yomo Limba, alors que le quatrième arbitre est Mahamadou Keita. Rendez-vous donc à 17h à partir du stade Nelson Mandela. Pour terminer ce journal, Nadia Siassi nous a choisi de nous présenter aujourd'hui le livre de Melika Chitour, fille du célèbre professeur Chitour et fondatrice du réseau Wassila. L'ouvrage est baptisé La Cafrado. Melika Chitour, opticienne de formation, elle dessine depuis toute jeune, ce qui l'aide aujourd'hui en tant qu'auteur d'en réaliser sa première de couverture. La Cafrado, sans mêlée, terre mosaïque,
symbolise l'union et la force. Là, c'est une aquarelle que j'ai faite pour la première de couverture de La Cafrado. J'ai donné vie dans le livre à Francesca et Dorato, mais sur la couverture, je leur donne un visage. J'avais le désir de montrer un regard perçant de Dorato, une volonté dans son regard qui se traduit par une clairvoyance, parce qu'elle est clairvoyante dans le roman, ça fait partie de son personnage. Francesca, elle est perdue dans ses rêves à réaliser, dans tous les rêves qu'elle a réalisés pour ce domaine qu'elle a créé avec son amie Dorato. La Cafrado est un mot créé pour nommer le domaine que ces deux femmes ont réussi à établir dans le nord algérien, nord-est algérien, à Annaba. Donc c'est le nom de ce domaine-là. Mais il a un sens, hein, parce que Cafrado veut dire beaucoup de choses, veut dire union des forces, veut dire volonté d'aller au-delà de toutes les difficultés de la vie. La Cafrado, sans mêler, terre mosaïque de Malika Chitour, une nouvelle parution de Casbah Édition, disponible en librairie. Ce journal a été réalisé par Amine Segni, Ahmed Dadou. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Sedir Kété, à la technique Yassine Djahed, à la régie d'antenne Mouni, au streaming vidéo. Tout de suite, c'est Karima Benour pour la météo.